Hey, hello le monde, il est 6h du matin et non, je ne sors pas de boîte, je vais courir avec mon père au Mont Ventoux. Plus de 1600 mètres de dénivelé, c'est la première fois que je cours autant. J'ai déjà couru 2h, 2h30, jamais 4h. On va voir ce que ça donne. Je vous embarque avec moi, mais avant tout, on commence par le petit déjeuner et on se réveille. Regardez, tout a déjà été prévu la veille. Les petites barres pour ne pas s'évanouir, le gilet pare-balles pour bien s'hydrater. Toujours bien déjeuner, prendre des forces. Protéines, glucides que je vais manger avec du fromage et les petites fraises de Carpentras, les meilleures. Les meilleures. Je viens de recevoir mon gilet de trail hier, je vais le tester aujourd'hui. Évidemment, le Mont Ventoux, je le fais parce que je m'entraîne toujours pour mon premier trail qui se passera aussi au Mont Ventoux, 27 km. De 1100 mètres de dénivelé positif. Et dans mon sac, qu'est-ce qu'on met? Une petite compote qui vient tout droit d'Amérique que j'avais ramenée bio. Et ensuite, moi j'ai un peu abusé, peut-être j'ai pris plein de barres sucrées. Hop là, barres de céréales. Au cas où, un gel, ça fait beaucoup. Je prends tout mon frigo. 1 litre d'eau. Je vais essayer de filmer ça tranquillement avec mon téléphone. J'espère que la vidéo vous plaît. J'espère aussi y arriver. En combien de temps, on verra. Let's go! Concernant les barres de céréales, je vais essayer d'en manger une toutes les 45 minutes, 1 heure, pour me régénérer en glucose, vu que je vais en perdre pas mal. Bon, j'avoue que je prends aussi l'indispensable du papier. On ne sait jamais si les intestins nous jouent des tours en courant. 6x07, ça fait combien? 6x07. Charline. T'es prête alors? C'est parti, Charline. Il est 7h36, on y va. La minute. 3 km 34 minutes. Ça monte doucement mais sûrement. Je commence à avoir chaud, j'ai enlevé le kawé. Le secret c'est de courir doucement à monter. De s'hydrater, manger régulièrement. On va bientôt s'arrêter manger là. Le pain droit cède. 58 minutes, 4,5 km, ravitaillement. C'est le ravitaillement, on continue, mi-chemin. Là, et nous, on va voir plus belle. Encore plus beau. Un espèce de théâtre. C'est fou, je trouve. Ça commence à taper sur les cuisses. C'est quoi? Ça monte bien, ça tape sur les cuisses. Là-bas, les collines, c'est les monts du Vaucluse. Il nous reste 400 mètres, ravitaillement haut. On commence à transpirer avec le soleil. Même si on monte en altitude et qu'on perd des degrés, il fait de plus en plus chaud. On a passé la bergerie, on reprend. En prenant de l'altitude, on change de végétation. Et le Mont Ventoux est juste là. Et juste là, ça monte bien encore. Encore 2 km, un peu sec. Et puis on est arrivé au sommet. Carpentras là-bas. C'est beau là. La vue est magnifique. On commence à faire chaud, on lâche rien. On voit le sommet, mais on dirait qu'on s'en rapproche pas. Le versant nord de l'autre côté. Regarde. La chapelle. Le versant nord est ici. Plus de neige. Là, ça monte bien. Dernière ligne droite, on y est. Le sommet.
Bon, évidemment, il reste la descente. Le sommet. 1910 mètres. Quel plaisir, quel bonheur. C'est dur, mais ça vaut le coup. Au sommet. Dernier petit ravitaillement, le troisième, et on repart la descente, qui serait un peu plus rapide. Important de manger parce que sans sucre, on serait mort bien avant. Là, on a mis environ 2h10 pour la montée. C'est parti. Quelle liberté! La bergerie à 1005. Oh. On met deux fois moins de temps en descente. On a déjà descendu 400 mètres de dénivelé en 20 minutes. Je viens de comprendre que j'avais pas besoin de m'arrêter pour courir. Pas besoin de m'arrêter pour boire. En fait, je peux boire comme ça. On est à la moitié de la descente officielle. C'est la première fois que je cours plus de 3 heures. Les jambes commencent à être lourdes. On est encore à 4 km de la voiture. Il vaut mieux fermer la bouche. Je me suis encore pris un animal dans les, dans la bouche là. De dénivelé. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous, prenez soin de vous.